Regardez le tombe. Olivier, ils ont une école spéciale pour l'art. Tu veux certainement être bien ici. Olivier, mon garçon, tu dois rester fort et pas important. Ce que tu fais, s'il te plaît, fais attention avec la mat. Oh, encore une chose, n'oublie pas de prendre tes médicaments. Ils sont vraiment importants. Depuis, ne te décourage si tu veux parfois des moments durs. Oui, papa. C'est tout nouveau et différent. Je suis... Tu vas me manquer. Mon fils, tu vas avoir une vie différente ici. Mais tu es mon garçon brave. Ce que je t'ai dit à propos d'Yves, je l'aime vraiment. Je pense à elle toute la nuit. Mon gars, tu ne tombes pas amoureux dans une nuit de sommeil. C'est une crosse longue. Quand t'as mieux en mieux, je fais un compte. Ok, j'ai beaucoup réfléchi. Ta vie, tes règles, tout fonctionne pour moi. Mais tu sais, ça sera drôle. Tu seras Adam et elle. Arrête! Tu commences toujours à te moquer de moi. Ok. Allons à l'école d'art. Le prof nous montre les nouvelles techniques. Très cool. Mec, pas de peine d'apprendre de lui. Je connais ta faiblesse. Ce n'est pas comme tu ne peux pas voir rien. Hein? Olivier, nous ne sommes pas nés avec les dons comme le gars. Tu dessines vraiment bien. Tu le sais. Viens maintenant. Fais-moi confiance. Apprends-moi simplement à propos des esquisses, ok? Ok. C'est quoi? Quelque chose de spécial sur lequel tu travailles? Ah non, rien. Il y a beaucoup de personnes qui sont spéciales pour moi. Je te le montrerai quand c'est complet. Laisse tomber maintenant. Les garçons, donc, je veux des couleurs de l'Inde, des couleurs joyeuses, ok? Du rouge, de l'orange, du bleu. Je veux des belles compositions. Donc, vous prenez ce que vous êtes en train de faire et de la couleur, ok? Couleur. C'est bon, vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Olivier. Oui, monsieur. J'ai besoin de te parler. Oui. Tu dois participer au concours interdisciplinaire. Il n'y a pas d'autre option disponible. Ah, c'est bon. Quand est-ce? Monsieur, je ne peux pas le faire.
Et je ne veux pas. Vous me comprenez par mes dessins en noir et blanc. Mais mon fils, quel est le problème si c'est en couleur? Tous les autres ont fait marche arrière et tu es le meilleur. Oh, Olivier, au moins j'ai essayé. D'accord, d'accord. Mec, ce n'est pas juste. Je ne peux pas participer à cet événement. Mec, écoute, commence à croire en toi pour une fois, d'accord? Aide-moi, mon ami. Tu connais mon secret, n'est-ce pas? Je te l'ai dit pour une raison. Aide-moi, s'il te plaît. Bien, tu vas te débrouiller avec ça. Hé, ne fais pas ça. Et techniquement, tu m'as inscrit pour ça. Bien, tu es le meilleur de la classe. Comme un bébé, je te l'ai. Maintenant, laisse-moi reposer ça. D'accord. Tu as raison, je suppose. Juste. Toi seul peux comprendre pourquoi je ne peux pas faire ça, n'est-ce pas? Comment suis-je censé faire quelque chose sans vraiment savoir comment le faire? Je devrais faire de la peinture demain. Imagine que tu l'as fait. On a les mêmes conditions. Oui. Je pense qu'on est parfait, encore. Pas vrai? Pas vrai? Bien. Il n'y a pas d'autre option. Personne ne le remarquera. Olivier se réveille avec la seule pensée de la compétition et rien d'autre. Il est toujours nerveux, mais il ne peut plus rien faire. Aussi Paul refuse de l'aider et il était le seul à connaître son secret. En essayant d'être optimiste, Olivier convainció que rien ne peut mal se passer et il va pour la compétition. Hello, vous aurez 2 heures pour votre dessin, ainsi que pour la peinture. Alors, viens de votre être rapide. Olivier, c'est très cool. Vous ne nous avez dit que vous pouvez vendre aussi bien? Les garçons! Allez, vous tous sont à votre place! Et personne ne se lève! Sinon, vous serez disqualifié. Les garçons, donnez-moi vos peintures, s'il vous plaît. Attention, le gagnant de ce concours est Bharat. Madame, mais comment est-il de la peinture, Olivier? Les instructions claires étaient qu'il ne devait y avoir aucune peinture abstraite. Mais madame, ma peinture n'est pas abstraite. Non, mon garçon. C'est ça. Regardez les combinaisons des couleurs. Le ciel, il est peint en blanc. Les arbres, en rose. Non, en jaune. C'est définitivement peinture abstraite. Non, madame, ce n'est pas abstrait. C'est très basique et la combinaison des couleurs, ce n'est pas un gros problème. Ceci, c'est une peinture abstraite. Non, madame, c'est très normal. Es-tu aveugle? Tu ne peux pas voir. C'est une peinture abstraite. Je suis dalotien. Alors quoi? Thank you.
Peut-être pas de couleur, mais n'ai jamais trempé quelqu'un de sec. Quand allez-vous tout se rendre, tant que ce genre de choses a besoin d'aide et soutien. Nous devons grandir et accepter chacun notre. Une fois que cela est atteint, aucune de nous n'a besoin de couleurs dans la vision, mais seulement des couleurs dans nos âmes. C'est cependant un rêve en voie de disparition. Quelque chose comme celle de ma vision, c'est juste gris. Pas noir, pas blanc, juste gris. Mais nous, nous en tant que groupe, sont deux couleurs différentes. Nous sommes noirs ou blancs, et nous ne comprendrions jamais chaque autre. Nous ne serons jamais gris. Nous serons jamais...